Mesdames et messieurs, voici le grand spectacle de Benny Hill. Merci, merci. Merci. Content d'être de retour. Depuis que nous nous sommes vus la dernière fois, je me suis rendu sur le continent et j'ai été étonné de voir combien de gens, surtout en Allemagne, parlaient l'anglais, oui. Vous savez, je crois que c'est dû au fait que les programmes d'enseignement linguistique par la télévision, ils sont diffusés aux heures de pointe. Il y en a justement à cette heure-ci, et grâce à l'Eurovision, nous avons pu établir un relais avec l'université David Strasser de Hambourg afin de vous permettre d'assister à une de ces leçons. Guten Abend, meine Damen und Herren. Good body every evening. Bon tous à chaque soir. Bonsoir à chacun de vous. Et un accueil particulier à tous les hommes et femmes anglais qui regardent cette averse de télévision dans l'intimité de leur propre intérieur. Pour commencer, Fräulein Krump et moi-même allons parler utile chaque jour. Colloque. Les phrases en anglais et les élèves dans la classe écriront sur les livres l'équivalent en allemand. Si je veux l'écriture écrite juste, je ne veux pas l'écriture fausse. Fräulein Krump, s'il vous plaît. Je suis une jeune fille allemande. J'ai 19 ans. Je suis un jeune allemand. J'ai 20 ans. Faut rigoler. Je plaisante. Je vis en Aldonie. Je suis très jolie. Elle vit en Altonie. Elle est très jolie. Je vis à Hambourg. Je suis très séduisant. Il vit à Hambourg. Êtes-vous bien rentré chez vous la nuit dernière? Oui, je suis très bien rentré à la maison la nuit dernière. J'en suis très heureux. Que ce n'est pas grâce à vous. La nuit dernière, j'étais un peu gai. La nuit dernière, vous étiez saoul comme un porc. Je viendrai chez vous ce soir. Ma maman sera à la maison ce soir. Votre mère est un vieux corbeau. Je suis très en colère avec vous. Elle est très en colère avec moi. Je soulève le pot de la fleur. Elle soulève le pot de fleur. Qu'allez-vous faire avec le pot de fleur? Je vais les gasser sur votre tête. Elle va... je quitte la pièce en vitesse. Elle m'a touché au milieu de l'oreille. Je l'ai touché au milieu de l'oreille.
Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais dire bonne nuit à nos téléspectateurs. Will now be a short interval. The sales staff will visit all parts. Look at her, right? Harry vient d'entrer. Il est en train de boire au bar. Vous ne pouvez le manquer. C'est un grand, élancé, beau gosse. Il a le menton volontaire, des yeux bleus acier, environ 24 ans. Mais attention, Tony. C'est un dur. Il est impitoyable et malin. Surtout, c'est un colérique. Et attention, voilà Stella qui entre. Et attention aussi, ils ont eu une histoire ensemble il y a quelque temps.
Salut Stella, ça fait une paye qu'on ne s'est vu. Une longue paye, tu trouves pas, Harry? T'ai-je manqué? Ne regrettes-tu pas le bon temps que nous avons eu ensemble? C'était des jours heureux, n'est-ce pas, Harry? Oui, vraiment, c'est sûr. Tu sais, tu n'as pas changé du tout, Harry. Tu sais une chose, tu as une chose que je n'ai pas oubliée. C'est la façon dont tu souris. Chaque fois que tu souris, ton nez se plisse vers le haut. Ça m'a toujours frappé, cette façon de se plisser. Tu bois toujours, Harry. Pourquoi fais-tu ça, Harry? Pourquoi? C'est à cause de ça qu'on s'est séparés la dernière fois. C'est à toi de décider, Harry. Choisis-tu la boisson ou moi? Tu ne peux pas avoir les deux. Si tu continues à boire, je te préviens, Harry, tu ne me reverras jamais. Mais si tu laisses tomber la boisson tout de suite, et maintenant, je suis prête à venir. Alors, qu'as-tu décidé? Barman, un autre bourbon. Très bien, Harry. Si c'est comme ça, je ferais mieux de me rendre au tabac. Ah, écoute, Sheila, ne sois pas comme ça. C'est sérieux, Harry. Sors de ma vie pour de bon. Voilà ta bague. Bon, mon chou, si c'est ça que tu veux. Va-t'en. Allez, sors de ma vie, Harry. S'il te plaît, sors de ma vie. Bon, mon chou, si c'est ça que tu veux. Oh, Harry, reviens. Harry, reviens, je t'en prie. Harry, reviens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. D'accord, chérie, je suis là. Je suis désolée, Harry. Vraiment désolée. Quand je m'irrite contre toi, je ne suis plus la même. Mais ce n'est pas ma vraie nature. La vraie Stella t'aime tant. Écoute, Harry, je veux que tu le saches, c'est sérieux. Il faut que tu saches que quoi que tu fasses, où que tu sois et où que tu ailles, quoi qu'il se passe maintenant, plus tard ou n'importe quand, je veux que tu le saches. Harry, je t'aime tellement. Je t'aime, je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne d'autre et je suis incapable. Je ne pourrais pas. Mais oui, ma chérie. Oh, ne te mets pas dans ces états-là, voyons. Tu sais quel jour on est? C'est aujourd'hui notre anniversaire. Tu ne te souviens pas, il y a 3 ans, le même jour, dans ce bar. C'est ici qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh non, Harry, je ne peux pas. Allons, allons, prends-le. Oh non, je ne peux pas. Harry, un collier de diamants. Il est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi, mon chou. Oh, Harry, comment te remercier? Ouais, nous y penserons. Salut, beau gosse. Tiens, bonjour, Scarlett. Ça t'ennuie pas qu'une dame s'assoie ici? Mais je t'en prie. Cigarette? Non, merci, Scarlett. Ça ne te gêne pas si j'en prends une? Non, non, vas-y. Voilà qui est mieux. C'est magnifique de te revoir, Harry. Tu sais, tu n'as pas changé du tout. Toujours ce vieil Harry avec le même sourire, un peu ridé et le nez qui a l'air de se plisser. Ça me plaît. Tu ne continues pas à fréquenter cette petite serveuse, Harry. Ce n'est pas ça qu'il te faut, Harry. Il te faut une femme comme moi. Nous avons besoin l'un de l'autre. Tu es un homme, un vrai. Et moi, je suis une vraie femme. Oh, embrasse-moi, Harry. Embrasse-moi. Harry, tu es fait. Ne retourne pas, continue à regarder devant toi. Pas d'initiative, lève simplement les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Lâche ça, Tony. D'accord, flicard. Tu l'as voulu. Je t'emmène, Harry. Mais lieutenant, vous n'avez rien à me reprocher. Harry, tu as épuisé ta chance, et ceux qui sont comme toi n'ont plus qu'une sortie. Et voici maintenant quelque chose à votre attention, mesdames. Catherine Boyle nous parle de la dernière mode d'été. Thank you, ladies and gentlemen.
Well, with the start of a new season giving a gay and bright touch to things, I think we should see what the smart girl will be wearing. Princess Annabella. She has on a cape jacket of dull brown satin with Revere's of bronze lamé. She wears it over a bronze lamé sheath, which has an inset of satin going to a point above the waist. And when she turns, you'll see how elegantly it slopes into a V-neck. Thank you, Annabella. And Jane has chosen a charming dress. It can be dressed up, as you can see, with a pretty pillbox and matching gloves and shoes. And you'd think it was a two-piece. But it is, in fact, all in one and can be worn, as you see it here, with a belt or equally well without a belt. Thank you, Jane. And over to you again, Jeremy. Thank you very much, Katie. I must say, I thought you were charming. Merci beaucoup. Vraiment ravissant. Merci, Catherine. Et c'est maintenant le tour des messieurs. Benjamin nous présente quelques créations de la mode d'été masculine. Comme vous le voyez... Benjamin suit la mode des épaules étoffées. Et de plus, ses chaussures de ton sont en matière synthétique. Malgré le temps plus chaud, ses gants de chevreau poids plume apportent la petite note d'élégance. Le nouveau pantalon court est coupé dans une nouvelle gabardine ultra légère. Et la veste est, qui le sait, mais oui, en drap caviar. C'est une veste passe-partout conçue pour le fumeur. Et aussi pour le non-fumeur. Vous pouvez remarquer qu'il porte sous sa veste la nouvelle chemise sans dos pour homme. En outre, tout comme la robe de Lulu, le pantalon de Benny se porte avec ou sans ceinture. Merci, Jeremy. C'était ravissant. Voyons un peu maintenant ce que porteront cette année sur la plage les femmes à la page. Sure, no one can be prettier than Annabella, as she is already set for her trip to the Costa Brava. What's she going to wear, Katie? She is already there with a hooded cape of blue denim. And the hood has a striped lining, which picks up the band on her bikini. What could be nicer, Jeremy, than to bask in the sun in just that kind of outfit? Thank you, Annabella. I think lovely. Benjamin ne saurait être en reste. Voyons ce que portera cet été au bord de la mer l'homme élégant. Benjamin porte un vêtement de plage gaiement parsemé de fleurs. Veut-il faire tempête? Il ôte sa veste et nous donne un aperçu du dernier cri en matière de maillot de bain. Lorsque le soleil apparaît, notre homme met ses lunettes de soleil et s'en va tranquillement faire un tour vers les dunes. Bravo. Merci, Jeremy. Maintenant, voyons ce que porteront les mariés de juin cette année. Surely none could be prettier than Jane in a pale crushed strawberry and cream crepe. She has short cap sleeves
and a strikingly simple line broken only by a bow at the bust. And the outfit is completed by a matching pillbox. Very charming. Naturellement, après la mariée, vient le promis. Thoughts of the bride and groom. Les voici tous deux se préparant au plus grand moment de leur vie. Merci. Mesdames et messieurs, la BBC s'est assurée des services de M. G. Arthur Kinker. M. Kinker a la réputation d'être le réalisateur le plus rapide de l'industrie cinématographique. Le film que vous allez voir a été écrit ce matin et tourné cet après-midi. Et je n'en dirai qu'une seule chose, c'est bien l'impression qu'il donne. G. Arthur Kinker présente Agent secret de l'amour. Écrit par G. Arthur Kinker, mise en scène de G. Arthur Kinker, costume de Madame G. Arthur Kinker, avec des acteurs découverts par G. Arthur Kinker. C'est moi, Rudy. Oh, entre, Rudy. Oh, mais c'est comme tu m'as manqué. Ça paraît féerique d'entendre ta voix de nouveau, comme une voix d'outre-tombe. Ah, mais ta voix la morbide. Tu aimes mon petit chez-moi? C'est vraiment charmant. C'est charmant. Pas aussi charmant que toi. Qu'est-ce que je te donne à boire? De la vodka pure, si je me souviens bien. Assieds-toi, je t'en prie. J'ai quelque chose à te dire, Rudy. Ah oui? Tu as quelque chose à me dire? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je quitte l'Europe pour le bon. Quitte l'Europe? Mais où iras-tu? En Australie. En Australie? Mais l'Australie, c'est pas un endroit pour une fille comme toi. Je suis sûre que je m'y ferai très bien. Je t'en regretterai, Rudy. Tu n'oublieras jamais ce que tu as fait pour moi, comme tu es resté des heures sur mes épaules à limer les barreaux de la prison. Non, je n'oublierai jamais ton grand exploit. Et Rudy, juste pour te rappeler ce temps-là, j'ai commandé ton plat favori, le garrot de veau. Oh, chérie. Tu sais, c'était drôlement gentil de te souvenir que j'aimais le garrot de veau. Hein. Tu es quelqu'un de si gentil. Tu as dit ça tellement bien, Rudy. Je suis flattée. Dis-moi, là-bas à Harzburg, étais-je le seul homme que tu as aimé? Tu veux la vérité? Bien sûr. Non, Rudy, tu n'étais pas le seul. Tu vois, le capitaine Stonelight et moi... Comment, tu veux dire Dick, mon supérieur? Oui. Je vois, oui, alors cela explique toutes ces visites qu'il rendait. J'ai toujours cru qu'il venait pour ses rations et... Oh, quel imbécile j'ai été! Oui. Rudy, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça avant. Je t'en prie, ne t'en va pas, Rudy, reste. Il m'arrive de me sentir si seule.